Allo tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et vous voyez cette tête, vous savez ce que ça signifie? Quand j'ai décidé que j'allais sortir sans maquillage et que mes cernes avaient des cernes, eh bien ça veut dire que nous sommes en période de révision. Oui, ça y est, c'est parti. Voilà, j'ai commencé les cours il y a genre 2 semaines et demie et je suis déjà en période de révision parce que j'ai déjà un examen. Nous sommes vraiment sur un back to school de qualité après cette année en Grèce. Mais voilà, j'ai fait un court blog. Je vous ai parlé dans ma dernière vidéo où je vous montrais à quoi ressemblait ma première journée en droit, donc à l'université. Et du coup en fait je fais un court blog, donc c'est un cours intensif pendant 3 semaines. Et ensuite j'ai un examen pour valider ce cours. Donc voilà, donc ce qui fait que je dois bosser parce que j'ai beaucoup de cours à travailler. Donc je vous l'ai dit, je fais en droit européen de l'asile. Donc voilà, beaucoup de choses à voir, tout ce qui est la procédure de Dublin, tout ce qui est le CK. Aujourd'hui du coup je vous emmène avec moi pour cette journée étudiante. Je vais un peu vous montrer ce qui se passe dans ma journée. Ce matin déjà je vais aller réviser avec ma copine Christina, que j'aime beaucoup, qui est adorable, qui vient de Barcelone. Elle est espagnole, c'est une étudiante Erasmus de Barcelone et elle est ultra cute. Du coup on va réviser ensemble parce que c'est vrai que c'est pas évident pour elle de bosser ses notions quand en plus c'est pas votre langue maternelle, le français. Donc je vais essayer de l'aider au maximum que je peux et on va aller travailler tout ça ensemble. Et ensuite je vais continuer à bosser et cet après-midi j'ai rendez-vous pour cette touffe. Voilà, donc on va aller faire une bonne reprise de racines chez Kate. Si vous connaissez pas encore Kate, comment est-ce possible, je vous mets le lien de sa page Facebook en description. C'est la meilleure coiffeuse de Suisse, voilà, tout simplement. C'est grâce à elle que je peux me permettre d'avoir les cheveux si longs et totalement décolorés parce que c'est la best de la best de la best, voilà, la crème de la crème, c'est Kate. Donc voilà, du coup je vais faire tout ça aujourd'hui et je vous emmène avec moi. J'espère que ça va vous plaire, ce petit vlog étudiant petite face. Est-ce que ça me fait un petit look? Non mais attendez, il faut que je vous montre le combo parce que nous avons quand même les lunettes qui sont un petit peu rapport à Harry Potter quand même légèrement, et nous avons quand même un pull Gryffondor. Oui oui oui, il manque plus que je sorte avec ma baguette magique d'Hermione que j'ai achetée à l'Universal. Voilà, je serai dans le total look Harry Potter aujourd'hui. Mais au moins ça me motive à les réviser. Et mes lunettes, pour ceux qui demandent, vous voyez, elles ont un reflet. Ce sont en fait des lunettes qui sont anti déjà reflet bleu. Donc moi qui passe mon temps et ma vie sur les écrans, c'est primordial. Et en plus elles aident pour tout ce qui est fatigue oculaire et du coup mes migraines. Et comme je me suis levée ce matin avec déjà la migraine, autant vous dire que la journée commence particulièrement bien. Voilà, donc je les ai mises dès le matin pour essayer de soulager ça et de pas avoir à prendre des médicaments, parce que sinon bah, je passerai ma vie à prendre des médicaments, donc c'est pas terrible non plus. Donc voilà, je cesse de papoter, je vais mettre mon petit bracelet préféré du moment, je vais vous montrer ça. Les bracelets Ana Luisa et je les aime trop, ils m'ont offert un bracelet et un collier et je trouve que le bracelet est tellement beau, donc je vais vous remontrer tout ça pour ceux qui auraient oublié. Donc voilà à quoi ressemblent les deux pièces que j'ai choisies. Donc ça c'est le bracelet que je porte tout le temps en ce moment parce que je le trouve juste trop beau. Le collier qui est magnifique, vous savez, il est sur étage comme ça, il est trop beau. Et ils arrivent dans des petites pochettes comme ça, Ana Luisa. Donc voilà, je vous l'ai dit, la marque elle est super belle, elle a une grave belle éthique parce que faire des produits en or recyclé, j'adhère à fond. Bon, j'ai bien trouvé ma copine Christina, elle souhaite pas passer dans le vlog donc vous la verrez pas. Mais là on est en train de bosser, voilà, tout est sur la table. Vous voyez, il y a mon petit iPad en plus, je suis tout le temps avec et je l'aime trop. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un retour sur mon iPad en tant qu'étudiante et en tant qu'influenceuse youtubeuse avec tous mes montages et tout. Ça me fera très plaisir de vous faire une vidéo dessus. Donc là on est en train de bosser nos cours, j'essaie de voir avec Christina, on s'explique mutuellement les notions, on essaie de voir si on connaît. Donc voilà, on va bosser gentiment, mais voilà, la joie et la bonne humeur, oui. Je viens juste de rentrer chez moi après avoir bien travaillé avec Christina, on était assez contente donc c'est plutôt cool. Je vais continuer à bosser durant ma journée, mais là c'est la pause miam miam
Et en plus j'ai reçu un petit colis, je suis trop contente, je vais vous montrer ça, je suis trop heureuse. Donc voilà, donc c'est un colis de chez Gigi's House et je suis trop heureuse. Il m'avait proposé de recevoir 3 robes. Les robes sont toutes plus belles les unes que les autres. J'ai mis un temps fou à me décider de celles que je voulais. Et en plus, ce que j'adore dans ce site, c'est que c'est des robes déjà qui ont l'air ouf. Donc j'ai hâte de voir si la qualité est vraiment au rendez-vous. On va ouvrir tout ça ensemble. Mais c'est surtout que j'ai vu qu'ils faisaient des tailles personnalisées. Genre vous prenez vos centimètres et vous les envoyez. Et comme ça, vous avez des robes sur mesure à moindre coût. Parce que des robes sur mesure, on sait le prix que ça coûte. Et là, genre pour une belle occasion, genre vous avez le mariage de quelqu'un, vous avez un bal de promo, une cérémonie de remise de diplôme, quoi que ce soit. Donc j'ai 3 robes, on va les ouvrir et regarder ensemble comment elles sont. Donc voilà la première robe, elle est super belle, je suis assez choquée des détails, elle est plein de petits sequins comme ça. Et le reste en fait c'est des franges et je trouve ça ultra beau avec un tissu un peu satiné en dessous. J'ai hâte de l'essayer et de voir un peu comment elle tombe sur moi. Merci pour la lumière. Mais voilà, c'est la première que j'ai choisie. De toute façon, le lien des robes sera en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais en vrai, je suis choquée. Genre, la qualité, elle est tellement belle. Sublime, 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 sublime. Donc ça, c'est la première. Je crois que c'est une des plus soft que j'ai pris. Bon, voilà la deuxième robe que j'ai choisie. Je suis choquée. Regardez-moi cette beauté. Les détails et tout, elle est tellement belle. Avec tous les effets. Et le voile, il est un peu... Enfin, vous voyez, il y a des petites paillettes dedans. Ça, les brodures partout, les broderies qu'il y a partout, enfin, c'est vraiment une beauté cette robe. C'était, je crois, une de mes préférées et vraiment, je la trouve sublime. La qualité est dingue, il n'y a pas un fil qui dépasse. On voit que ça a été genre cousu ultra précisément et tout. Enfin, regardez-moi ces détails, quoi. C'est trop beau. Elle est magnifique. Elle a un beau décolleté que vous pouvez voir là. Vous voyez, c'est assez décolleté, donc je pense que c'est ultra flatteur. Et elle a un effet un peu bouffant avec le tulle, mais... elle est sublime, vraiment pour une occasion particulière, si vous, enfin, le jour de l'an, Noël, une remise de diplôme, je sais pas, quoi que ce soit. En plus, vous pouvez toujours choisir les couleurs, genre vous pouvez vraiment faire la robe à vos rêves. Parce que moi, j'ai pris noir parce que je préfère, mais sinon, vous pouvez carrément la prendre blanche ou bleue ou ce que vous voulez. Vous pouvez tout ajuster comme vous en avez envie, mais elle est magnifique. Vraiment, c'est une pépite, elle est sublime. La qualité du tissu, elle est trop belle. Donc voilà, la dernière robe et celle-là, je crois que c'est la préférée de ma tante. Elle est magnifique, elle est très longue. Vous avez tout un effet de drapé un peu ouvert derrière vous. De toute façon, je vais essayer de les porter pour vous montrer un peu mieux à quoi ça ressemble. Ça fait une grande traîne. Et les détails sont juste sublimes, pareil. Et elle est très transparente, donc vous avez des bonnets à l'intérieur pour éviter qu'on voit trop. Mais elle est magnifique, enfin, les petits détails, les petites perles qui sont mises, le tissu, il est hyper agréable. Enfin, franchement, c'est de la qualité, je suis choquée pour le prix. Elles sont sublimes. Vraiment, celle-là, si vous avez une occasion, pareil, Noël ou quoi que ce soit, bah, c'est la robe qu'il vous faut, quoi, clairement. Et je vous disais, vous pouvez vraiment la faire sur mesure, donc si vous avez un peu une morphologie un peu particulière... Bon, on vient juste de finir de faire les petits close-up là où je vous montre un peu les robes portées. J'ai pas trop filmé ma tête parce que je suis pas trop présentable pour porter des aussi belles robes aujourd'hui. C'était juste pour voir bah, comment elles m'allaient. J'avais aussi envie de voir comment elles tombaient sur moi et voir vous montrer à vous aussi comment elles vont. Alors moi j'ai pris, je mets du 38 et j'ai pris du 42 quasiment sur toutes les robes et j'aurais pas dû. J'aurais dû prendre du 38, ma taille habituelle. C'est vrai qu'au site chinois on dit toujours prendre au moins 2 tailles au-dessus parce que bah, les chinoises elles sont très fines et du coup ils adaptent pas par rapport aux morphologies européenne, bah des fois ça joue pas. Donc là ma tante va devoir toutes les reprendre, donc on verra. Il y a des gros joues, des fois il y a 5 cm en trop, enfin bref, elle va regarder tout ça, elle va me les reprendre. J'ai la chance d'avoir une tati couturière, donc ça passe. J'ai vraiment hâte de pouvoir les porter pour des occasions parce qu'elles sont trop belles et je sens que je vais faire fureur avec. Hâte d'être apprêtée, d'être bien jolie pour pouvoir mettre des aussi belles robes. Donc si vous cherchez une robe pour Noël, pour le nouvel an, pour un anniversaire, pour un mariage, pour quoi que ce soit, un bal de promo, une cérémonie de diplôme, tout ce que vous voulez, franchement foncez sur ce site internet. Les robes elles sont pas chères pour la qualité de robe que vous avez, franchement c'est des robes, je crois que la plus chère elle coûtait maximum 150 €. C'est des robes genre ça en commerce, mais c'est au moins 300 ou 400 francs quoi, c'est abusé. Au moins le double voire le triple. Donc vraiment vous faites vraiment une très bonne affaire avec ça. Donc je vous le recommande vivement, vous avez le lien de mes 3 robes dans la description et vous avez le site internet.
internet comme ça, ils ont un choix de robes énorme, mais vraiment énorme. J'avais vraiment le choix. Donc là je vais vite manger et après je vais partir chez Kate pour aller refaire mes cheveux, parce que là c'est vraiment, ils sont dans un sale mood en plus, donc ils vont être très contents de voir Kate. Et je vais prendre mon iPad avec moi pour travailler chez Kate. Malheureusement il faut que je continue à réviser, et après quand j'entrerai je réviserai ce soir. Je continue de vous emmener avec moi dans ma petite journée étudiante. C'est parti. Regardez qui c'est que j'ai retrouvé. C'est Kate. On va refaire les petites racines qui sont ici. De toute façon Kate va vous montrer un peu à quoi ça ressemble avant puis après. Et voilà, et pendant qu'elle me fait tout ça, moi je vais bosser un petit peu mes cours. Regardez qui est là le plus beau. C'est le plus beau. C'est Snow. Salut beauté. Il est très collant aujourd'hui. Oui, oh oui, je t'aime. Oh, tu es gentil. Oui, tu es gentil. Oui. Donc voilà, c'est parti. Bon, je vous retrouve un peu plus tard. Bon, Kate vous a déjà montré comment rendre mes cheveux. Je suis toujours autant fan de son travail. Elle est vraiment super, super douée. Si vous entendez des petits bruits de pattes et des petits bruits de reniflement, c'est mon chien, parce que comme j'avais Snow sur les jambes toute la journée, il est pas du tout d'accord avec ça. Il est en train de me renifler de partout en mode « Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais qui c'est celui-là ?» Il est extrêmement jaloux et possessif. Enfin bon, donc voilà, les cheveux c'est bon, là je vais retourner à mes révisions, pas le choix, il faut que je retourne bosser pour mon examen de vendredi. Quand vous verrez cette vidéo, ce sera déjà passé, donc espérez pour moi que ça s'est bien déroulé. J'espère sincèrement en tout cas ce petit vlog vous aura plu, qu'il aura quand même été intéressant pour vous. En ce qui concerne mon iPad, je l'aime d'amour, franchement pour le moment je suis totalement convaincue par la bête. Il est génial, je trouve ça tellement pratique de pouvoir passer du traitement de texte à pouvoir dessiner quand j'ai besoin de faire des schémas. Il réagit ultra vite, il est ultra performant, enfin non c'est du délire, vraiment j'en suis ultra fan. J'ai déjà monté la précédente vidéo avec et il était trop génial. Il faut juste que je m'habitue encore bien sûr au logiciel de montage pour être plus rapide. J'ai pas besoin d'attendre 15 ans qu'il fasse le rendu, j'ai pas besoin d'attendre 15 ans qu'il exporte. Il est trop rapide, il est top, donc vraiment gros coup de cœur pour cet appareil qui coûte très cher certes, mais par rapport à un ordinateur. Enfin honnêtement depuis une semaine que je l'ai quasiment, je n'ai pas utilisé mon Mac depuis. Donc je me suis totalement, j'ai totalement réussi à ne pas utiliser un ordinateur et n'utiliser que la tablette, parce qu'il la remplace totalement. Vous avez le clavier, vous pouvez même mettre une souris si vous voulez vraiment plus de précision avec une souris. Mais en soi avec l'Apple Pencil et vos doigts, c'est hyper intuitif, c'est... Non c'est génial, vraiment une convaincue clairement. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez une vidéo sur mon iPad et les applications que j'utilise pour les cours. En tout cas j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un max de pouces bleus, à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé et à t'abonner bien sûr si tu tombes sur cette vidéo et que ce n'est toujours pas fait. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.